Jeûner est un acte d'adoration éminent qui compte parmi les sujets les plus importants de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman, pubère, sain d'esprit, en bonne santé, capable de jeûner. Durant le mois de Ramadan, le jeûneur a des obligations qui lui permettent de valider son jeûne afin d'obtenir, à la fin de celui-ci, les récompenses promises par Allah à tous les jeûneurs. Beaucoup de musulmans ont tendance à négliger surtout la prière surérogatoire. Salat al-Tarawih, celle qui est souvent accomplie après la prière de Ishaq. Or, cette prière surérogatoire est avec le jeûne du mois de Ramadan. Celui ou celle qui prend soin de cette prière, eh bien, ses péchés lui seront pardonnés. Parmi aussi les obligations du jeûneur ou du jeûneuse, dans ce mois béni, Ramadan Kerim, nous avons le fait de s'éloigner des mauvaises paroles, des sottises, de dire des choses qui n'ont pas d'importance. Nous devons nous en éloigner si évidemment nous voulons la récompense de notre jeûne. Parmi ces obligations, nous avons aussi le fait de ne pas trop remplir le ventre. Il y en a certains qui pensent que comme ils sont attaqués par la faim pendant la journée, eh bien le soir, il faut donc rattraper cela. Non. Le fait de trop manger après la rupture, cela nous empêche d'accomplir la prière dans la soirée. Et aussi, cela peut nuire à notre propre santé. Parmi aussi les obligations du jeûneur, dans ce mois béni de Ramadan, nous avons aussi le fait de lire beaucoup le glorieux Coran, méditer sur les versets coraniques et mettre cela en pratique. Celui qui n'obéit pas à ces recommandations pourrait voir ses récompenses diminuer. Ceux qui n'accomplissent pas ces obligations, la récompense de leur jeûne sera diminuée. Le Ramadan, 9e mois du calendrier égérien, est un mois béni, durant lequel le Coran a été révélé au prophète Muhammad. Le jeûne de ce mois est ordonné aux musulmans, car il vient leur remémorer cette révélation, mais aussi purifier leurs âmes et leurs corps. C'est également l'occasion pour le musulman de se rapprocher d'Allah.